Thank you.
Voilà, donc le let's play de Oldboy est terminé. J'en profite justement pour revenir dessus vu que je n'avais pas vu que c'était un let's play sans commentaire vu que j'avais un peu failé au début dans le premier épisode où j'avais pas activé mon micro et du coup je me suis dit bon là c'est rare, je vais faire tout un let's play sans commentaire, c'est pas plus mal dans un sens. C'est rare que je termine vraiment des jeux. Bon, en plus ça a été relativement court, enfin 10 vidéos en moyenne, je sais pas, 30 minutes un peu plus, ouais, si, il fait quand même 5, 6 heures, 7 heures de jeu peut-être, si on compte tout ce qui est un peu en annexe, chose que je n'ai pas faite d'ailleurs, mais ça va, ça reste correct, même plus que correct, je dirais, pour un jeu indépendant de cette taille-là, de cette accalmie-là, et du coup, c'est vrai que c'est assez rare de mon côté de terminer des jeux, et là, donc, du coup, j'en profite pour revenir un petit peu dessus, étant donné là, que j'en ai fait un let's play sans commentaire. De ce que j'ai cru comprendre, c'est que le jeu était fait, donc c'est du pixel art, mais vraiment tout à la main. Et ça faisait ouais, plus de 8 ans, enfin je sais pas, peut-être 7 à 8 ans qu'il était en développement. Donc peut-être depuis 2008, enfin ouais, on va dire 2010 quoi, même au plus tard. Et du coup, ouais, graphiquement, c'est assez joli. Enfin, si tout ça était fait voilà, au pixel art à la main et tout, vraiment chapeau là-dessus par rapport à ça, c'est pas mal. Donc il y a vraiment une ambiance qui est bien retranscrite là-dessus, je pense qu'on va dire 20 sur 20 quoi. Niveau gameplay, ça, enfin, il y a des mécaniques intéressantes, mais c'est pas ouf, hein, ça reste un petit peu bridé parfois, même s'il y a des mécaniques intéressantes, ça révolutionne pas, je dirais, le gameplay, ou alors que pourtant, le fait voilà, de voler tout le temps, ça, il y aurait, enfin, comment dire, il y a pas mal de plateformes, je trouve, d'éléments de plateforme, et où certes, voilà, on doit voler quand même, on doit slider, je dirais, entre les éléments, mais c'est pas l'accent vraiment qui est mis dessus, je trouve, sur le vol. Enfin, c'est pas. Je trouve qu'il y aurait moyen de mettre un peu plus sur voilà, le fait de voler, un peu plus en avant. Pourquoi il y a cet écran-là, oui. Donc voilà, niveau gameplay. Ah oui, j'ai pas vu l'étoile là-bas qu'on voit, bah, c'est Otus, justement. Je vais revenir un petit peu sur le scénario après. Donc niveau gameplay, il y a des trucs intéressants, voilà, au niveau des... notamment avec... merde, j'ai perdu le nom du mec à l'araignée, justement, qui peut s'accrocher, même si du coup, on peut le jouer que vers la fin du jeu, donc finalement, pas trop l'occasion de faire beaucoup de choses avec lui. Après, tout ce qui est quête annexe, peut-être que là, on aura besoin justement, de tous les personnages pour récupérer toutes les pièces, les petites quêtes annexes qu'on peut faire. Si c'est bon, c'est terminé. Toutes les quêtes annexes, c'est vrai que je ne l'ai pas faites parce que bah, ça me passionnait pas. Et parce que du coup, là, pour en revenir au scénario, le scénario, je suis pas rentré à fond dedans. Donc c'est vrai que souvent l'anglais, alors c'est pas que j'aime pas l'anglais ou que je suis pas familier, mais l'anglais, j'ai du mal à rentrer dedans quand pour une histoire, je sais pas, c'est bizarre. J'ai du mal à rentrer dans la langue anglaise, enfin rentrer dans une histoire quand c'est la langue anglaise. Et du coup, je sais pas, je suis pas rentré à fond dedans. Là, pour l'histoire, pour la résumer, c'est... les reliques voilà, des anciens hiboux qui ont un grand pouvoir et qui justement jadis lorsqu'il fut utilisé ça a fait en sorte que la terre se fasse des îles flottantes et le but c'est de Solus justement c'est de faire en sorte d'inverser cette dynamique là. Il y a les pirates robots qui eux plutôt voilà, veulent les reliques pour tout détruire, enfin voilà c'est le chaos total, le mal total. Donc il y a quelques éléments, je dirais, scénaristiques qui sont pas mauvais, mais je sais pas, il y a des personnages comme Azio, là, notre sorte de maître. Bah, en fait, on le voit pratiquement pas quand on le voit au début pour nous gueuler dessus, pour un peu nous mettre des bâtons dans les roues parce qu'il ne fait pas trop confiance. Et puis après, j'ai l'impression voilà, qu'on voit un petit peu des étapes de développement du jeu. Au début, il y avait voilà, des mises en place des personnages, des intrigues, de leur personnalité, etc. Et que petit à petit, ça s'est un petit peu effrité, que ça a un petit peu fait oublier. Pour laisser place à des donjons, notamment il y a là 3 donjons pour récupérer 3 reliques, donc du coup ils ont mis l'accent là-dessus. Donc je sais pas, niveau scénario, il y a, voilà, il y a une trame de fond qui est toujours là, je veux dire, il n'y a jamais une phase de jeu où il n'y a pas de scénario, c'est pas, voilà, c'est pas un jeu où vous êtes lâché et que du coup vous devez aller à un point pour déclencher le scénario, non, c'est le scénario, il est toujours omniprésent, c'est assez linéaire, malgré qu'il y a une assez liberté de mouvement, notamment pour faire les quêtes annexes, et pour récupérer des objets, notamment chez... je sais plus en fait les noms parce que là la session que je viens de faire a duré une demi-heure parce que j'ai joué mais, juste pour terminer le jeu mais ça fait 2-3 jours que j'avais pas joué au jeu en fait, c'est pour ça que je suis un peu déconnecté là. Et voilà, il y a quelques éléments de collection pour collectionner des objets ou même des quêtes annexes, mais au fond il n'y a pas. Enfin je sais pas, il n'y a pas plus d'intérêt que ça. Enfin j'ai pas du moins senti plus d'intérêt que ça.
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, bah niveau rejouabilité, je ne sais pas trop si on peut en avoir une. Si, je pense pas qu'il y ait un New Game Plus, mais dans tous les cas, est-ce que rejouer le jeu? Ouais, si, pour comment dire, le terminer. Enfin, ouais, si, on peut. Alors, je pense le refaire une deuxième fois, ce serait pas mauvais. Si on a bien aimé le gameplay, si on a trouvé ça fun, en fait, tout simplement, si on a contrôlé Otus, c'était pas désagréable, même si je pense que ça mériterait un peu de perfectionnement. Mais ouais, pour en jouer une deuxième fois, puis du coup explorer un petit peu plus les recoins, si la première fois on le fait juste pour découvrir et faire l'histoire principale. Autrement, moi j'y reviendrai pas dessus, parce que j'ai quand même ragé pas mal de fois sur certains passages, sur certains mini-boss aussi, notamment dans le bateau pirate là. Enfin, il y a des boss, vraiment, j'ai ragé quoi. Et pour vous dire, en ce moment je joue aussi à Bloodborne, il y a quelqu'un qui m'a prêté Bloodborne, j'avais jamais joué à un jeu pareil, typique hardcore comme ça. J'accroche énormément sur Bloodborne. Au début c'est très punitif, c'est très exigeant comme jeu. Et j'avais peur justement de rage quit par rapport à ça, mais au contraire, j'adore Bloodborne. Sans parler de l'univers, etc. Peut-être qu'un jour j'en parlerai plus en détail. Plus à même en détail, lol. J'adore Bloodborne, son système voilà, très punitif, j'aime beaucoup. J'ai moins ragé sur Bloodborne. Je trouvais ça déjà plus de ma faute. Voilà, c'est ça en fait. Sur Bloodborne, c'est plus de sa faute lorsqu'on perd, lorsqu'on se prend un game over que sur All Boy. Parce que donc j'ai fait des coupures au montage, mais des fois vraiment je perdais sur des boss ou sur des mini-boss. Parce que c'était traître en fait. Parce que on pouvait pas forcément s'attendre à voir que le boss allait faire ça. On pouvait pas le deviner. Il fallait mourir au moins une fois. C'est-à-dire que voilà, les boss ils ont plusieurs patterns. Ça c'est pas trop mal. C'est-à-dire qu'ils ont plusieurs étapes. Au début, ils font quelques attaques, après ils font des un peu meilleures attaques, quand on commence à leur faire perdre de la vie, on sait qu'ils sont ils deviennent un peu plus dangereux, ou là un peu plus rapides. Mais ça, en fait, on le découvre que à force de comment dire, de les combattre et de perdre, en fait. Alors qu'on se dit, ah d'accord, il fait ça, donc du coup, quand je leur ai fait ça, je devrais bouger, quoi. Donc déjà, ça c'est un petit peu frustrant, en disant qu'on se dit, bah on peut pas le savoir, on peut pas trop le deviner, donc on est obligé de mourir. Et le game over, il est pas amusant, c'est-à-dire que dans Bloodborne, je veux pas dire que le game over est amusant, mais. On sait que c'est notre faute, c'est-à-dire que le monstre, on regarde un petit peu, on sait qu'il est gros, on sait qu'il est lent, on voit un peu son arme, on le laisse faire une attaque, et puis c'est bon, on sait qu'on peut l'attaquer de telle manière, ou qu'on devrait plutôt essayer ci ou ça, mais c'est pas un boss voilà, qui se décompose beaucoup, mais enfin quand je parle des boss, je parle plus des mobs de Bloodborne, même d'ailleurs les boss que j'ai pu faire sont assez linéaires, peut-être un ou deux où ils changent au bout d'un moment de façon de combattre. Mais ça reste assez lisible en fait, on arrive à lire un petit peu ce que le boss va faire, et c'est vraiment à nous en tant que joueurs de s'adapter à ça et de vraiment s'y mettre, et c'est ce que je trouve vraiment bon dans Bloodborne. Chose que je ne trouve pas dans All Boy, alors c'est vrai que ça n'a rien à voir comme jeu, hein, c'est pas du tout le même genre de jeu, mais dans les combats de boss, c'est ça en fait, c'est que All Boy cherche à faire des combats de boss, je dirais, innovants, voilà, c'est-à-dire qu'ils vont faire telle attaque, il faudra les attaquer de telle manière, il faudra les esquiver aussi de telle manière. Il y a des fois, voilà, on peut pas esquiver et du coup, faut. Enfin, des fois, on ne peut que esquiver, on ne peut pas contre-attaquer. Mais il y a des boss qui sont très frustrants parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont faire et on le sait que quand on meurt, et ça va, des fois, ça va très vite. On ne sait pas aussi si on leur fait des dégâts ou pas parce que des fois, on a beau bourrer la touche du piou-piou là, de Geddy ou même de l'araignée, je sais plus, ou même du pirate, je n'ai vraiment plus les noms en tête, hein, je m'excuse. On ne sait pas si ça leur fait des dégâts, enfin si ça leur fait beaucoup de dégâts, si c'est comme ça qu'on leur fait des dégâts. Il n'y a pas vraiment d'indication, quoi. C'est vrai qu'une barre de vie, ça n'aurait pas été idiot, je trouve, pour les boss, pour savoir vraiment ce qui leur fait mal, quoi. La barre de vie, je pense que ça fait un peu tout, quoi, dès lors qu'il y a un boss. Ou alors, il faut trouver un truc ingénieux, un peu comme dans les Zelda, ou là, où même dans les Zelda, je ferais un peu la critique, voilà, qu'on sait pas si ça fait mal au boss, mais bon, il y a quand même déjà plus d'éléments en disant, là, c'est l'œil qu'il faut frapper, ou. C'est telle partie du corps qu'il faut frapper, et puis au bout de trois fois, on se rend compte que ça marche. Là, dans le boy, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de répondants par rapport à ça, et du coup, c'était assez frustrant. Et c'est assez dommage. Et j'ai vraiment, des fois, vraiment ragé dessus, en me disant, putain, mais je vais pas le terminer ce jeu, quoi. Enfin, je vais juste rage quit, quoi. Et bon, j'ai quand même réessayé, je me suis un petit peu battu, en me disant, là, c'est bon, j'en vois la fin. Mais d'ailleurs, Solus, c'est pas forcément le boss sur lequel j'ai plus ragé. Mais voilà, tout ça pour vous dire que des fois c'est un peu mal équilibré. Enfin, après, je peux comprendre, voilà, si les mecs, ça faisait 8 ans qu'ils étaient dessus à faire du pixel art sur le côté gameplay, ça peut être un peu fatigant de prendre son temps par rapport à ça. Enfin voilà, moi je serais incapable de faire la même chose, hein, c'est pas la question. Mais voilà, pour vraiment vous dire mon ressenti par rapport au jeu. Aussi, je m'excuse beaucoup de tout ce qui pouvait être lag ou autre saccade dans la vidéo. Et des fois, moi sur mon jeu marchait très très bien, peut-être un peu moins fluide parfois.
notamment là où il y avait sur le gros lézard, là, le feu, c'était un peu moins fluide, mais sur la vidéo, c'était juste pas du tout regardable. Et ça, je peux pas le savoir, c'est-à-dire que quand je joue, ça va, puis quand c'est le rendu vidéo, je m'en rends compte, quoi. Donc, bah, je fais avec, et puis il y a d'autres phases où ça marche très bien, où c'est pas trop mal optimisé, parce que le jeu, je pense qu'il est pas trop mal optimisé, puisqu'il arrive à marcher sur mon PC, et que quand je stream la vidéo, ça reste correct, dans la majeure partie des cas. Mais c'est vrai que des fois, sur des éléments de boss, où il y a vraiment plein d'éléments justement à l'écran, bah. Enfin, voilà, mon PC, il est un peu à la ramasse. Donc, voilà, je sais pas si je peux dire autre chose d'autre. Ouais, voilà, vraiment, même voilà, tout ce qui est scénario, même personnage, tu vois, bon, c'est pas. On a voilà, Guidi, notre ami, il y a l'araignée, bon, voilà, qui revient avec nous, il y a le pirate, hein. Ouais, il y a cette dimension des ennemis qui deviennent des amis, comme Solus, voilà, qui en fait ne fait pas ça par intérêt, par je dirais par mauvaise foi, au contraire, elle a des bonnes intentions. Et même par rapport à tout ça, c'est assez classique, la construction des personnages et puis le dénouement, le plot twist, là, c'est très classique. Et moi, ça me dérange pas, hein, tant que c'est bien fait, tant que c'est divertissant, mais on peut pas, voilà, on peut pas dire que le jeu est du coup casse la baraque, que ce soit niveau gameplay ou que ce soit niveau scénario. J'y casse vraiment que la baraque niveau pixel art parce que c'est impressionnant de savoir faire ça. C'est tout ce que j'aurais à dire en fait. Mais en termes de jeu, c'est plus une œuvre en fait, presque contemplative, en termes de même de la musique est sympa, hein, il y a des ambiances, etc. C'est sympa, et en termes de visuel et de musique, c'est plus une œuvre là-dessus qu'en termes de jeu, voilà, de manière ludique. Parce que des fois c'était pas ludique, c'était voilà, comme je dis, c'est frustrant, on sait pas trop où aller. Des fois je suis passé un petit peu en bourrant la touche de speed pour justement avancer dans le niveau et puis aller un peu plus loin. Donc voilà, même des fois, je reviens aussi un peu sur les boss. Donc il y a les boss, il y a les mini-boss qui étaient un peu la preuve frustrante, comme je l'ai dit. Puis des fois, il y a même les ennemis, on connaît pas trop leur pattern. Et il y avait des ennemis, notamment il y a des bombes là qu'on pouvait attraper et balancer avec l'araignée. Ça, je l'ai vu en voyant une vidéo seulement sur Hellboy pour savoir comment, enfin, où est-ce qu'il fallait que j'aille dans le niveau à suivre parce que bah, je n'avais pas deviné quoi. Alors certes, j'aurais pu expérimenter la chose, mais c'était pas intuitif si vous voulez, il n'y a pas. J'ai pas, voilà, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de répondants par rapport à ça, pas assez d'intuitivité dans le jeu. Là où, par exemple, où, en termes de game design, voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Là où Mario, par exemple, Super Mario Bros. Est un exemple de game design. Même d'autres jeux, hein, je prends l'exemple de CrossCode, que j'ai déjà parlé en termes de jeux indépendants. Le level design, le game design est super ludique, super intuitif, c'est-à-dire que vous savez. Où est-ce que vous devez aller, puis vous essayez, puis ah ok d'accord, ça fait ça, ok, il faut juste que. Dans CrossCode, c'est ça, par exemple, il y a des puzzles en fait qui sont assez intuitifs, vous devez balancer votre boule en fait d'énergie. Vous voyez que ça rebondit, et vous arrivez à lire un petit peu la trajectoire de votre boule d'énergie qui rebondit. Et après vous dites, ok, d'accord, il faut que je modifie tel ou tel objet dans la pièce pour le puzzle, et c'est comme ça que j'arriverai à progresser. Et ça, c'est intuitif. Chose dans le boy, bah on arrive, on a une zone, on a des ennemis, on a des. Je dirais des plateformes, etc. Ben, on ne sait pas trop, donc on essaye. Bon, des fois c'est intuitif, des fois ce ne l'est pas, donc là-dessus ce sera un petit peu maladroit. Donc voilà. Il y avait un autre truc que j'allais dire, mais merde, je l'ai zappé. Au niveau des boss, non. Des ennemis, ouais, je sais plus. Bon, bref, peu importe. Ça fait déjà assez longtemps que je parle dessus. Mais le jeu vaut le coup d'œil, hein, clairement, c'est pas un mauvais jeu, hein. Mais je suis pas rentré dans. Après ça, c'est uniquement mon avis perso. On peut complètement l'apprécier le jeu là et puis lui donner une très bonne note. Je serais absolument pas contre, c'est juste voilà, mon ressenti par rapport à ça. Voilà. Donc je vous dis merci d'avoir regardé le let's play jusqu'au bout. Malgré toutes les petites difficultés que j'ai eues, notamment pour voir la vidéo. J'en ferai d'autres de let's play hein, quand ça arrivera, quand les jeux arriveront. Enfin, moi j'aime bien faire des let's play tant que c'est pas trop long, là ça va, ça fait une dizaine de vidéos, donc ça va. Fallait pas que ce soit plus long que ça non plus, fallait pas déconner. Mais voilà, je vous remercie d'avoir donc regardé ce let's play, et à très bientôt, salut!